Allez, alors qu'est-ce qu'il veut? Alors qu'est-ce qu'elle veut elle déjà? Le maître t'a convoqué toi aussi? On va se faire un duel. Merci à vous deux d'être venus, mes chers disciples. Aucun problème, maître. Que se passe-t-il? Eh bien, voyez-vous, je vous ai demandé de nous retrouver ici pour vous expliquer le déroulement de la prochaine tâche. J'ai nommé l'épreuve 3, l'ultime dénouement du dernier épilogue volume final. Oui. L'épreuve 3, l'ultime dénouement du dernier épilogue volume final, vous dites? What? Donc, on parle juste de la dernière épreuve, en fait. Bah, oui. Bref, vous êtes les seuls à avoir réussi la deuxième épreuve. Tous vos efforts vous ont permis de vous hisser ensemble jusqu'à cette dernière étape. Mais il est désormais temps de vous départager. Comment, me demanderez-vous? En vous affrontant, bien sûr, au cours d'un combat de Pokémon Dynamax. Hein? Un combat? C'est ça l'épreuve finale? Exactement. Les règles sont un peu plus simples. Remporter la victoire, et c'est gagné. Le vainqueur de ce combat recevra l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Enfin, je suis à deux doigts d'arriver au top. Mais... L'épreuve se déroulera sur le terrain de combat derrière le dojo. Comme il est situé sur une source d'énergie, vous pourrez dynamaxer vos Pokémon. Allez, pas une seconde à perdre. Mieux vaut que j'aille sur place le plus vite possible pour me préparer mentalement. Bon, allez, je file, des bisous. Oh, au fait, te sens surtout pas obligé de te dépêcher, hein. Vas-y mollo, comme un Ramonos, ok? Ouais, elle prépare un mauvais coup. Elle est de retour pour jouer un calembour. Tu sais, la petite Sophora est une dresseuse de talent. Mais elle a toujours eu du mal à faire preuve de sérieux au dojo. J'ai pourtant toujours su qu'elle pourrait faire de grandes choses avec un peu de volonté. Et depuis que tu es là, elle a enfin trouvé cette motivation qui lui manquait cruellement. Alors, j'espère que cette rivalité l'aidera à s'épanouir en tant que dresseuse. Toutefois, il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin. Moi, j'aimerais bien savoir à qui j'ai piqué la place quand même. Est-ce que c'est un random péon ou... Est-ce que c'est quelqu'un d'important? Marqué quoi là? Ah oui, je l'avais déjà lu ça. Eh ben, ma foi, on y va. Hein. Il demande quoi pour faire la soupe? Par curiosité, combien de champis? Tu peux m'en dire plus? Alors... Je suis désolé, j'ai lu le livre mais je peux pas te dire à quoi ça sert. Alors... Donc c'est les Pokémon qui peuvent gigamaxer quoi. Grossièrement, hein. Ok. Et donc du coup l'ours qui veut pas spoiler mais bon, on va se faire une petite sauvegarde. Et puis on va y aller. Moment solennel. Oh, le grand terrain. Stylé. Alors, qu'est-ce que tu dis, petite? Si je te parle pas et que je t'ignore, ça fait quoi? Te voilà. Je t'explique le plan. 1. Je te bats. 2. J'obtiens l'armure secrète. Et 3. Je deviens championne d'arène de type poison. Elle va être de type poison, elle. Il est hors de question que je perde face à toi alors que je suis si proche du but. Je vais tout donner cette fois-ci. T'es prêt à morfler? Allez, c'est parti. Alors, peut-on commencer? Bon courage! On est avec vous! Approchez les enfants, c'est l'heure de l'épreuve finale! À vos marques! Dynamaxé, il va dire. Prêt? Fightez! Sophora la dresseuse veut se battre. Rapion.
Alors. Tu vas voir que je suis réellement capable. On va régler ça ici et maintenant. En fait, il y a peut-être quelques pics toxiques qui traînent par ici ou par là. Donc, attention à tes pieds. A gravement empoisonné. Le mec, il déconne pas, quoi. Crochet venin. Ah oui, et puis ça tape directement le crochet venin, quoi. Bon, après, c'est un rapion, hein. Eh, mais on peut tricher si elle triche. Moi, je triche aussi. Utilisant en combat, il augmente toutes les stats d'un Pokémon. Ouah, c'est broken. Ok, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bah alors, tu triches? Je triche. T'as cru que Majin Buu, il était fair play ou quoi? Non mais oh. Et mais quand même un coup critique alors je suis plus empoisonné. Non, je me suis trompé. Bon, mais maintenant, comment dire? D'ailleurs, pourquoi je suis empoisonné? Ça veut dire qu'il y a deux rangées? Ah ouais, il y a deux rangées de pics toxiques. Eh! Salut, hein! Omae wa Moshi Indenu. Nani? Majin Buu! Majin Buu attaque souplesse, le truc improbable. Pouf. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé les animations. Oh là 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 là. C'est bien celui de Galar. Du coup, j'ai 3 tours, ça veut dire que je vais lui en one shot 3. Bain de smog. Ah, oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Ouais, donc lui il va spammer les. Ah, c'est peut-être pas free win en fait. C'est quoi, je vais baisser sa vitesse. Qu'est-ce que ça va faire comme dégâts ça? Ouais, ça va. Ah, le papillon dans les cheveux, c'est un papinox. Il a une couleur un peu genre. Je suis un shiny d'exception quoi. Mo, il évolue, Mo. Madame Nuage, Madame Nuage. Oh, je vais avoir un masse évolution là dans ce combat. Scobolide. Ouais, ça tient tranquille. Bah bon, là il va me tuer, je pense. Est-ce que je me laisse mourir comme ça ou. Bon, en vrai. Ah, il y a Girobal. Ah, je pense que je le tue avec Girobal. Ok. Mais elle a pas Gigamax encore. Donc je fais le fou depuis tout à l'heure. Moi, en fait, je vais me prendre le Gigamax et je vais. Yes! En plein dans le point faible! Sympa les petites animations. Oui, bon, là j'ai pas trop réfléchi pour le coup, mais c'est pas grave. En fait, je vais me faire éclater. Alors attends. On va essayer d'arrêter de faire nimp. Allez, relou avec ces pièges à la mort moelle 2 là. Mo est gravement empoisonné. Mais Mo va mourir donc du coup. Oh, ça fait chier. Allez, c'est parti pour Majin Buu.
Et hop 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 Majin Buu, et hop 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 Majin Buu. Moi qui a plus son truc qui fait bain de smog machin là. Je me garde Majin Buu en pièce maîtresse et puis alors il a quoi comme attaque un peu? Ouais super, ça va être toute critique élevée peut empoisonner. On va voir s'il a une baie déjà. Il a pas de baie. Ok, bon on va essayer d'empoisonner et de... je pense que je tanque. Non, j'allais dire, je pense que je tanque une attaque, mais pas du tout, parce qu'avec le poison, je tankerai pas. Ok. Bon, ben voilà. Ok, ok, ok. Bon, je pense qu'elle en vrai, elle fait le café. Hein. C'est spectre. L'insecte, ça craint le spectre ou pas? Je sais plus. Faire un... Ah mais je fais un lien du destin. Mais oui. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est ça l'idée. Moi, je vais faire lien du destin. Moi. Ah, hors de question que je perde ce combat. Même avec un seul Pokémon, je gagnerai. Flagados, go! Oh, le voici, le voilà, le fameux Flagados! Il est temps de répandre mon poison! Attention les yeux, ça va piquer! La la la! Twink! Petit clin d'œil. Peut-être été un peu pessimiste, je sais pas s'il me one shot en vrai. Psychomax. Bah si. J'ai juste pas été assez rapide. C'est dommage, la musique de son thème est un peu mou. Est-ce que je passe là? Juste faire un petit guérison quand même. Psychomax. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Je vais jamais passer. Oh damn. Je vais jamais passer. Combien il manque? Ouais, il perd, ça devrait suffire, non? Ouais, tout juste, hein. Hydromax. Ah, cool, ça va. Ouais, il met la pluie, mais bon, c'est pas grave. Ok, on part sur un grincement into méga fouet. Coquille arme. Ça empoisonne ça? C'est OP. Bon alors je rigole carrément de tricher pour gagner, mais c'est pas grave. Et ça fait vachement mal. Et en plus il est plus rapide. Ça veut dire que j'ai perdu là en fait. Mais ça fait tellement mal. Waouh. Il est hyper rapide donc j'ai perdu. De toute façon si je me soigne ça sert à rien. Tir vif de Flagados. Empêche quoi? Non. C'est un fail. J'ai encore perdu de la thune. Décidément. Bon allez, deuxième try. Du coup, on sait que il faut que je garde lui aux limites. En fait, on va plutôt faire comme ça. Parce qu'une fois qu'on passe Mogogo, en fait, avec l'autre, on fait le café.
Décidément, j'aurais été bien nul. Allez, on est reparti. Ouais, vas-y, 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 go, 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 go. Par contre, on peut pas passer. Bon, alors par contre, si c'est que ça le contenu du DLC, hormis la nouvelle zone et plein de Pokémon, objets... Et... Alors pour le coup, les objets, machin, les nouvelles attaques, c'est vachement bien. Par contre, ceux qui veulent jouer Strat et qui n'ont pas l'extension, ils peuvent pas jouer Strat. Mais en termes d'histoire, s'il y a que ça... Alors ça fait cher le DLC, Game Freak. Hein. Enfin bon, c'est vraiment la deuxième partie qu'on attend à vrai dire. J'ai peut-être mis quelques pics toxiques par-ci, par-là, bon enfin... C'est pas non plus... J'allais Dynamax, tu vois. Dynamax Morphing. On y croit. Ok. Va pour morsure, ça fait, ça baisse, non? Peu apeuré. Est-ce que je suis plus rapide? Je crois que non, parce que j'ai une nature qui baisse la vitesse. Donc lui, il va m'apeurer par contre. Le pire combat du monde. Oh là là, ça va être long. Bon, bah vas-y, hein. On va laisser mourir. Il aura fait des dégâts, c'est bien. Ah, en plus c'est gravement empoisonné. Ah, c'est violent quand même. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que Jiggle il paf? Non, non, petit poison ça passe pas. Mo, le problème c'est qu'il est passé costaud. Il reste Madame Nuage qui devrait passer tranquillou. Madame Nuage! Je suis gravement empoisonné. Mais je m'en fiche parce que j'ai giclé donc. Qui est plus rapide? Lui. Bah oui, la morsure qui fait mal, forcément. En plein dans le point faible. Dans le point faible. Giclé d'eau. Bim. Donc là, je vais me reprendre la morsure vénère. Le délire, c'est que... est-ce que... Hydro Cannon. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Quoique non, avec Ban Smog, il me tue pas. Et si je meurs du poison, franchement, lien du destin. Assurance. Oh putain, il a assurance. Oh là là. J'aurais bien tenté de me setup, mais ça va être chaud. J'ai vraiment une équipe qui est moisie, mais alors, en plus j'ai rien pex. Ah, oh, bah oui, là j'ai Roubal. On se calme. Je sais que c'est nul, Jigglepuff, mais quand même. Oh là, ça met que ça comme dégâts. Ah, pardon mon petit Pokémon, c'est ma faute. J'aurais dû le voir venir. Tiens bon! Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je soigne? Non, non, mais je laisse mourir, tu sais quoi, Osef. Par contre, ce que je vais faire... Que il y en reste. Non, c'est pas ça. Comment on fait? On peut pas avoir ces Pokémon? Ok. Je pense qu'on va gratter, genre voilà, du quincement. Il faut que je garde mon Gigamax pour leur Gigamax. Smog, voilà, bon tu me tapes.
Moi je te baisse ta défense. T'as évité l'attaque là, c'est ça? Punaise. Donc là le but ça va être de se setup juste avant de le one shot vu qu'il est plus rapide. Il évite l'attaque. Mais punaise cette précision quoi. Parce que là normalement il était à moins 6. Il faisait bain de smog, je faisais cogner au bidon, je tapais et refaisais bain de smog. Ah oui, non, en fait, ça va pas marcher. Ok. Ah ouais, non, en fait, je suis con, ça va pas marcher. Parce que du coup, elle va se bain de smog à fond. Il a encore évité. Mais c'est fou! Coup critique, ouais, bon, ça. Pff. À la limite, je m'en fiche. Merci. Et de 2. Très bien. Non mais faut que je me setup sur celui d'après. Puis voilà. Je m'embête pour rien là. J m'embête pour rien. En fait ouais je pense que 2 grincements ça aurait suffi. Reconnaissant ma précision. Ok. Donc là, il faut que je me setup sur lui. Et que du coup, je profite du Gigamax. Qui va prendre paresse? Hop. Mo! Mo, il a appris paresse, moi. Scobolide. Ah sur ça je peux me setup tranquille normalement. Oui. Je fais juste un grincement. Ensuite je vais faire une hyper, une potion max. Du coup là une hyper ça suffit. Comme ça je claque un cogno. Une potion max. Et je finis la game. Attaque. Un cogno. Voilà. Non mais. Est-ce que je dis Dynamax là ou pas? Non, je vais taper juste de blablabla, je vais juste tenter de taper. Voilà. Ok. Hors de question que je perde ce combat. Même avec un seul Pokémon, je gagnerai. Donc c'est maintenant que il va falloir profiter du boost de PV du Gigamax pour pas se faire one shot. Baisser la défense avec tir vif. Le faire agir plus rapide que d'habitude. Ah, enfin, j'ai bien eu le temps de dire ça. Ah, c'est trop bien, c'est genre un talent qui donne une vive griffe. C'est n'importe quoi. Mais c'est très drôle. Ok. Mais il fait quoi là, ses attaques poison? Je crois qu'il me faisait moins mal d'ailleurs avec ses attaques Gigamax, enfin Dynamax, que ses attaques normales. Ah mais peut-être que Coup de Langue a une défense, une des deux défenses vraiment en carton. Et lui je crois que son attaque elle tape sur la défense la plus faible en fait. Je crois que c'est pour ça qu'en fait j'ai pris super cher. Ouais c'est ça, il fait Psychomax en first. Sauf que là, bah tu vas te prendre... Alors déjà, si, je doute que tu le tankes, et si tu le tankes, je baisse ta vitesse. Oh, oh, oh. Et là, je te finis. Et voilà. Eh ben, c'était pas évident. On a bien cheaté comme elle. Mais on aura réussi. Tu, tu, tu. On monte au niveau 35.
Et ouais, Majin Buu. Ouais. Non. Mais pourquoi à la fin? J'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Le combat est terminé. Et notre petit Yester remporte la troisième épreuve. Avec un reset. Bravo, vous avez été incroyable. Trop bien ce combat. Félicitations à vous deux. Il était pourri le combat, mais bon. Soupir. J'ai perdu. Mais en trichant, même en trichant, j'ai pas pu t'arracher la victoire. Je doute que quelqu'un avec un talent inné comme le tien puisse comprendre, mais j'ai vraiment tout donné cette fois, et j'ai perdu. Je me sens complètement vidé. Je crois que l'univers m'envoie un signe. Je ferais mieux d'abandonner mon rêve de devenir champion d'arène. De toute façon, après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'une question de temps avant que je me fasse virer du dojo. Du coup, je t'en voudrais pas si tu me balançais. T'as qu'à tout raconter au maître, je m'en fiche. J'ai fortement envie de dire très bien. Ok. Très bien. Je suis désolé. Mais j'étais déjà au courant, les enfants. Ta-ta-ta. Révélation de ouf que d'un. Maître, j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc j'aimerais également m'excuser. Sophora, tu ne t'es pas battu à la loyale au cours de cette dernière épreuve. Mais au fond, je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer. Et c'est tout ce que j'attends de mes précieux disciples. Maître, merci, Star. Pardon. Ta punition consiste à t'occuper des Pokémon du dojo toute seule pendant 6 mois. C'est tout? Enfin, c'est sévère comme punition. Mais vous êtes sûr que ça suffit? Si je te le dis. Ce sera aussi une belle occasion de renforcer ton mental, d'accord? Oui. Oui, maître. C'est bon, les enfants. Vous pouvez venir féliciter vos camarades. Vous avez été absolument formidables. J'en avais les larmes aux yeux, au point de ne plus bien voir la deuxième moitié du combat. Non, ça, c'était le poison qui se dégageait des pics toxiques. C'est les vapeurs. C'était du grand art, c'était tellement beau qu'on en a pleuré. Mon petit Astar, même si tu as combattu dans des conditions défavorables... Je vais pas utiliser les objets, c'est pas vrai. Tu as réussi à l'emporter, bravo! Puisque tu es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre... l'armure secrète du donjon de la maîtrise! Mais ne faisons pas ça ici. Attention, j'ai peur. Rejoins-moi au dojo. Allez, il est temps de rentrer, les enfants. Astar. En fait, c'est que... Tiens. La carte de ligue de Sophora. T'as géré. Voilà, je l'ai dit. Complètement fou, ces gens. Bon allez, on va aller voir quand est-ce que... Ah bah il est là. Alors. Tu voilà mon petit Astar, je t'attendais. Puisque tu es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre l'armure secrète du dojo de la maîtrise, volume 3, épisode final de l'apothéose de la fin. Allez, viens dire bonjour. Ouais. On dirait un nuage qu'il a sur le front. Attends. Pokémon est l'armure secrète du dojo de la maîtrise, Wooshours. Il est tout petit, mais si tu l'entraînes bien, il pourra neutraliser n'importe quelle attaque, telle une armure. Derrière cet adorable frimousse se cache une puissance incroyable. Mais comme tu peux le voir, il est un peu timide. Oh, j'aurais préféré qu'il soit jovial, personnellement. Je crois qu'il manque de confiance en lui. Mais s'il part à l'aventure avec toi, je suis sûr que ça l'aiderait
rat à sortir de sa carapace. Bon, je crois que je t'ai tout dit. Chouchoute bien nos petits bouts de chours. Chouchoute bien nos petits bouts de chours. Wow! Vous chaussez désormais votre Pokémon! Et c'est parti pour du reset pour avoir un jovial! Alors, il suit un entraînement rigoureux pour parfaire ses techniques. La forme de son évolution dépend des capacités qu'il a assimilées. Voulez-vous donner un surnom à Wooshours? Oui. Allez, 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 allez! Entraînement isolarmure oblige, on perd pas de temps, on clique, on like, on partage, on s'abonne! Allez, à la prochaine!